Mais là, on va se rendre sur le tournage d'un court-métrage qui a pour particularité, vous savez qu'en Belgique, enfin, je suppose que vous le savez, en Belgique, il y a deux communautés. Et puis, ce n'est pas toujours facile entre les deux, trois communautés, mais c'est vrai que c'est surtout entre les Wallons et les Flamands voilà, que politiquement... Si vous voulez, je vous raconte une histoire, mais elle est payante, celle-là. Alors je D'accord, mais je vais demander au producteur de débloquer un budget, si vous le voulez bien. Alors, et il se fait que le court-métrage, dont on va voir quelques images du tournage, mais il a deux réalisateurs, un Wallon et un Flamand. C'est une comédie romantique oedipienne. Alors, on ne l'a pas encore vue puisque c'est précisément encore en tournage. Donc, le titre, c'est Tabou. C'est effectivement deux jeunes réalisateurs qui ont derrière eux déjà pas mal de courts-métrages qui se sont croisés à l'occasion d'un festival. Ils en parleront mieux que moi dans quelques instants et qui se sont dit, bah, finalement, on va essayer de faire un truc ensemble. On va faire un court-métrage qui sera financé par la communauté française, qui sera tourné en Flandre, une histoire flamande interprétée par des gens qui viennent du monde entier. Ouais. Alors, le pitch du film, bon, ben, c'est le scénario qu'on nous a livré, c'est l'histoire en fait d'un père belge qui va vivre aux États-Unis. Il embarque avec lui son fils et son fils un jour va chercher à en savoir un peu plus sur ses racines et son père va l'emmener avec lui, en l'occurrence donc les racines sont flamandes, donc il va l'emmener avec lui à Gand. Le garçon en quittant les États-Unis a eu une grosse rupture, un gros chagrin d'amour et il va quelque part un petit peu le régler ici chez nous en Belgique. Voilà, c'est reportage sur le tournage de ce court-métrage, c'est Stéphanie De Smet qui le signe. J'ai été sélectionné au Talent Campus, comme chaque année, qui sélectionne des jeunes de tout du monde entier. En fait, pour faire partie d'une grande famille, c'est la famille La Berlinale. Et lors d'un speed dating là-bas, il a entendu au loin que je venais de la Belgique. Et il m'a dit « Bonjour, je m'appelle Vincent ». Et là, il va raconter ce qui s'est passé. Le Talent Campus, c'est une sorte de sous-festival de Berlin. Et une fois de retour en Belgique, on s'est mis avec Jean Colette, qui est le père de Jean-Julien. Et on était commencé à écrire à trois dans le living de Jean et Jean-Julien. Apparemment, c'est une première, une collaboration entre un réalisateur belge francophone et un réalisateur belge flamand. Ça a été financé par le télédistributeur Wallon, la Comité française de Belgique. Que l'ensemble de l'équipe soit international, belge, francophone, flamand, colombien, roumain. On a un casting vraiment formidable. L'industrie cinématographique flamande est une petite industrie. Et c'est donc super d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur. Et je pense aussi que pour le public, c'est bien de voir d'autres visages que ceux habituellement à l'écran en Flandre. Il a participé au tournage de Fargo, des frères Cohen, et elle est célèbre à New York pour ses One Woman Show. C'est une manière donc d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est ta première expérience en anglais, non ? Absolument. Oui, c'est vraiment impressionnant. Et toi aussi, c'est la première fois que tu joues en anglais ? Oui, c'est la première fois, et tout en étant un billet. C'est peut-être un petit peu un cliché, mais c'est quand même vrai qu'il y a une différence de culture, qu'il y a plus cette culture orale et beaucoup parlée, et plus cette culture peut-être pragmatique et visuelle. Et quand tu les mets les deux ensemble, tu pourrais avoir un bébé parfait, peut-être. Oh, that's a lot of duty. Good luck with that. Tissues. Wait. C'est un peu une histoire belge, on va dire ça. C'est un peu une histoire belge. Oui, moi je la trouve, c'est vrai, assez intéressante et assez touchante parce que finalement, ces deux-là vont se rendre compte qu'ils sont très très proches et qu'ils ont peut-être des choses à faire ensemble à l'étranger. Donc c'est rigolo quand même. Il faut qu'ils se retrouvent à Berlin pour se dire, tiens, finalement, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et moi, j'attends évidemment... C'est souvent le cas, non, quand souvent on, le cas. Si on croit son... Enfin, peut-être pas son pire ennemi, mais son voisin à qui on ne parle jamais et qu'on le voit, je sais pas moi, à 2000 km d'ici, peut-être qu'on réussira à lui parler. Bah, oui, sans doute que quand on est à l'étranger, on est peut-être plus prompt à se rapprocher des gens qu'on connaît. Je vois que vous opinez du chef. C'est typique, ça. Moi, je vois dans mon immeuble, on ne se parle pas avec les voisins. Et même avec l'ascenseur, quand on entend qu'il y en a un qui l'a appelé, hop, on attend qu'il descende. Par contre, c'est vrai que si on le rencontre à l'étranger, d'un seul coup, on se sent, surtout là où on ne parle pas le français, dans les pays très très loin, on est tout heureux d'un seul coup, on se découvre, on se dit bonjour, comment allez-vous ? Ah, c'est curieux, ça. On ne se reparle pas nécessairement quand on est rentré, par contre. Peut-être mieux. Oui. Peut-être que les choses changent après. Uh-huh.
peut-être mieux. Je trouve qu'en fait, finalement, il explique assez bien ce qui est en train de se passer maintenant, parce qu'effectivement, de retour en Belgique, il s'est passé quelque chose. Ils sont en train de bosser ensemble, et définitivement, ils sont en train de communiquer, et ils vont bosser ensemble à l'avenir, et sont en train de donner peut-être un bébé parfait en plus. Mais quand on fait, c'est pas la première fois d'ailleurs, quand on fait le montage financier d'un film, on sait combien c'est compliqué de tourner un long métrage, ça coûte des sous, ça coûte de l'argent, on vous demande des comptes. Est-ce qu'à un moment donné, on cherche, dans la communauté française, mais aussi de l'autre côté de la frontière linguistique. J'ai l'impression que de plus en plus... Aucun film belge ne peut se monter qu'avec des financements belges. Ouais. Un film wallon, ça n'existe pas. Il y a un financement européen, mais ici, en Belgique, c'est vrai qu'on fait un cinéma belge qui est différent du côté wallon que du côté néerlandophone, mais les collaborations sont de plus en plus nombreuses entre les deux communautés pour produire... Non, pas spécialement. C'est-à-dire que nous, on a plus facile de monter une production avec la France ou le Luxembourg, et avec des régions de France aussi, comme le Nord-Pas-de-Calais, qui coproduit beaucoup et qui met des apports financiers. Et les films flamands se coproduisent aussi avec la Hollande, beaucoup plus que nous. Et donc, c'est quoi ? C'est un problème politique ? Au départ, oui, bien sûr. Ouais. Tout ce qui est... Toute cette séparation vient d'un problème politique. Mais après, elle est réelle. Et après, ça... On a des coproductions avec des pays, avec la Pologne, par exemple. Oui, on a des problèmes de langue aussi. Oui, non, je pense qu'au début, le problème est politique, de toute façon. Pourtant, on a des films qui parlent d'identité. Le film de Micha Wald, il parle d'une identité. Puis c'est un film belge. On pourrait dire qu'il y a de la belgitude dans ce film-là. Eldorado aussi. Mais Ultranova était coproduit par la Flandre, par exemple. Ouais. Donc ça dépend vraiment d'un projet à l'autre. Est-ce que vous avez l'impression de faire du cinéma belge ? On en parle de plus en plus et de plus en plus souvent, ce mot qui ne veut rien dire. Ouais. Est-ce que ça ne veut rien dire ? Est-ce que je vous faites d'abord du cinéma ? Je pense qu'il faut surtout arrêter d'essayer de le définir, ce mot. Ouais. Moi, savoir ce que c'est le cinéma belge ou savoir quelle est la différence entre un comédien belge et un comédien français, pour moi, c'est une question qui n'a aucun sens. Mmh. Faisons les choses et puis après... On le rase souvent. Oui, c'est vrai. Je fais ça comme ça, juste comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement à laquelle on n'a jamais une réponse intelligente. Voilà, et bien on fait un cinéma donc mal rasé. C'est ça. Les poils caméra. C'est vous qui le dites. C'est une citation qui n'engage que moi. Aujourd'hui, à l'instant, je l'ai dit. Voilà, donc, il faudra attendre quelques mois, évidemment, pour reparler de ce court-métrage dont on a assisté à quelques scènes de tournage. En tout cas, on suivra cette aventure avec attention. On va terminer cette émission avec du théâtre.